Et encore là, il y a plein de choses, tu vois, par rapport à construire des ruches, etc. Parce que moi, j'achète mes ruches. Mais en fait, quelqu'un qui. Et même moi, je vais le faire dans pas longtemps. Au lieu de passer par des systèmes où j'achète des ruches, je vais les faire moi-même. Et en plus de ça, si tu veux, ce que je vais faire, il y a un truc auquel j'avais pas encore prêté assez d'attention, si tu veux, c'est de mélanger au moment de la récolte du pollen avec du miel. Mais du pollen qui est, non pas le pollen qui est pris au début de la ruche, qui est le premier pollen en fait, qu'on achète et puis qu'on mange, en congelé ou en séché, mais du pollen qui est stocké Dans les... dans les haussins, si tu veux. Et j'ai ça comme idée parce qu'en fait le pollen c'est extrêmement riche. Parce qu'en fait là-dessus il y a du boulot à faire, tu vois. Une fois que tu as nettoyé tes cadres, après ça il faut retendre les fils inox, après ça il faut remettre des cires. Enfin bon, il y a quand même y a une grosse main-d'œuvre si tu veux là-dessus. Et moi je voudrais arriver à faire un produit qui soit plus. Je voudrais faire un miel qui soit un miel. Déjà il est remarquable celui-là, mais en plus de ça, si tu veux, je voudrais qu'il y ait du pollen dedans. Du pollen fermenté. Fermenté. C'est ça l'astuce, c'est du pollen fermenté. De tourner l'extracteur trop rapidement, tu casses les cellules et elles partent par la force Ah d'accord. centrifuge. Ici, ça se casse tout ça. Ouais. Bon, c'est vrai que les abeilles restructureront la chose après, hein. Ah ouais. Et tu vois, regarde. Quand tu regardes ça, regarde. Là, j'ai du pollen dedans. Parce que c'est plus Tu foncé. vois, regarde, voilà, tu as du pollen. Non, non, c'est pas que c'est plus foncé. Effectivement, là, il y a du miel plus foncé. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est du châtaignier comme type de miel. Ça, c'est un miel qui est plus clair, tu vois. Alors, comme on est au marais, ça peut être du miel du marais, de fleurs du marais, je peux pas te dire, mais au niveau du goût, c'est des goûts, c'est des goûts qu'on ne trouve pas en fait dans les miels. Ça n'a rien à voir avec un miel de colza, un miel de tournesol, un autre miel, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et tu vois, là, je suis content parce que j'ai beaucoup de pollen. Donc ce pollen-là, il va aller dans la cuve au moment où je le fais et il va se retrouver dans mes pots de miel, quoi. Allez, on voit bien la différence de couleur. La C'est un peu la couleur de. nature, C'est quelle pierre qui ressemble à cette couleur? une pierre. Oui, qui ressemble à qui a la même couleur que ça, une pierre semi-précieuse. Ah. Écoute, voir Eric Boucherie. Bon, on va lui poser la question. Dans la nature, quand ils font par exemple Ouais. leur nid dans un arbre, Oui. les alvéoles, là, ils les fabriquent? Oui, ah oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'abeille, elle a à l'intérieur d'elle ce qu'on appelle des glandes ciriaires. Et avec les, tu vois, moi je mets des plaques entières de cire. Mais pourquoi je mets des plaques entières? Parce que je pourrais mettre par exemple juste une amorce, tu vois, une toute petite bande de 1 cm de cire, et elle continuerait à le faire. C'est uniquement parce que l'apiculteur désire faire plus de miel. Donc, pour me faire une hausse comme ça, avec 9 hausses, elles vont manger 10 kg de miel à peu près, pour te donner un ordre d'idée. Elles vont manger 10 kg de miel pour fabriquer la cire. Or, nous, comme c'est du miel qu'on veut, on va lui donner la cire. Et de ce fait-là, c'est nous qu'allons avoir les 10 kg de miel, Ah, au lieu qu'il soit mangé, quoi. Tu vois? donc le miel, c'est un carburant. Ah ben carrément. Ben, bien sûr que c'est un carburant. Alors si tu veux, là-dedans, ce que l'abeille a fabriqué, c'est ce que je suis en train de retirer. Celui-là n'a pas la même Ça, couleur. voilà, exactement, ça n'a pas la même couleur, tu vois, c'est beaucoup plus blanc. Et ça, c'est l'opercule. Et l'abeille n'opercule le miel que lorsqu'il y a un taux d'humidité où il n'y a pas d'humidité, je crois que c'est de l'ordre de 20%, je ne sais plus les chiffres exacts si tu veux. Mais voilà, c'est en fait le miel, maintenant ce miel-là, si je le mets en pot, il ne va pas fermenter. Parce que justement, il n'y a pas
d'humidité à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui a vu une vidéo, oui, où tu lui as dit que l'opercule ne se mangeait pas, et lui, il a démenti en disant « l'opercule peut se manger ». Ah, ben bien sûr, bien sûr. Mais tu vas la manger avec du miel, puis tu l'avaleras. Il y a ça, bien sûr. Maintenant, au niveau de ce que ça nous apporte au niveau du corps, de notre corps physique, ça, franchement, je sais pas. La cire, ça n'a jamais été un truc qu'on mange. Mais c'est vrai qu'on pourrait couper, par exemple, des blocs. Tu vois, je pourrais couper au couteau des blocs comme ça. Et puis les mettre dans des boîtes en plastique, il y en a qui font ça, et qui les présentent et qui les vendent comme ça. C'est une autre forme de vendre du miel, il y en a qui aiment beaucoup ça. Hein. Mais le seul truc, si tu veux, c'est que pour faire ce genre de choses-là, en fait, il ne faudrait pas que l'on mette, nous, de la cire à nous, parce que notre cire à nous, ça je l'ai déjà dit dans une autre fois, mais ces cires-là, il y a des pesticides dedans maintenant. Ils trouvent des pesticides. Donc c'est pas... Dans l'opercule, non. Et maintenant, si tu veux, ils veulent vraiment que ça soit avec l'opercule qu'on refabrique des cires pour remettre aux abeilles. Donc c'est vraiment, là, c'est fait sur la confiance que l'on fait. Tous les trous, là, ça a une durée de vie de combien de temps? Une année, deux années? Alors, ceux que les abeilles alors peuvent voilà. fabriquer, mais que toi, tu achètes, quoi. La cire dont tu parles, là, qu'ils ont étirée, et que tu appelles des trous, toi, effectivement, cette cire-là, au début, elle est blanche. Après, elle devient jaune. Après, elle devient marron. Et quand elle est marron, eh ben, tu ne peux plus rien en faire. Et même si tu, par exemple, tu la mets pour la faire fondre, elle ne fondra pas. Ça ne fond pas. Ça, le seul truc que tu peux faire, c'est la brûler. C'est pour ça que les cires marron, bon ben c'est des cires, si tu veux, qui sont arrivées en fin de vie, pour répondre à ta question. Alors maintenant, combien de temps ça dure? Je sais pas, ça peut durer 3 ans, 4 ans. Quand tu as une ruche comme ça, pour qui, pourquoi, comment? Tu en as 5 par exemple dans ton jardin, et tu décides de partir en vacances pendant 10 ans. Tu les laisses là sans entretien. Qu'est-ce que ça va devenir? Ben, ça va faire comme dans la nature, quoi. C'est-à-dire que tu auras de l'essaimage, parce que ça, c'est naturel. C'est-à-dire que les vieilles reines partiront de ta ruche, ou des ruches que tu as. Après ça, tu auras des nouvelles reines qui prendront la place. Et puis, le cycle se fera comme ça pendant 10 ans. Puis, si un jour, elles décident vraiment de quitter la ruche, elles partiront. C'est comme dans un tronc, c'est comme dans une cheminée, c'est comme... Et les abeilles, elles n'ont pas besoin de nous pour vivre. Ouais. C'est nous qui avons besoin des abeilles. Mais les abeilles, elles se sont toujours débrouillées sans nous. Donc nous, on peut partir 10 ans, 20 ans. C'est pas leur problème, elles n'ont pas besoin de nous. Elles ont besoin qu'on les aime quand même. Ah ben on les adore. Mm-hmm. Ah, regarde là encore tout ce que j'ai comme pollen. Ça va être un super miel cette année. Non mais là, le miel cette année, il va être de la bombe. J'en ai mangé là tout à l'heure, il était vraiment... Non, c'est pas partout, il n'a pas partout le même goût non plus, hein, donc... Une petite vis. Tu l'as pris dans quoi là? Là, avec un petit peu de pollen.